Le complexe pénitentiaire d'Alcatraz est une prison construite sur une île de la baie de San Francisco, en Californie, dans l'ouest des États-Unis. Forteresse militaire, 1850 à 1909, puis prison militaire, 1909 à 1933, et prison fédérale de haute sécurité, 1934 à 1963, Alcatraz est un établissement modèle, offrant un maximum de sécurité et une prison dont la réputation est internationale grâce à l'accueil de prisonniers célèbres. L'environnement extérieur était dissuasif avec des courants forts et une eau fraîche entre 10 et 12 degrés Celsius. Ce qui avait incité l'administration pénitentiaire à faire prendre systématiquement aux détenus des douches chaudes afin qu'il ait des difficultés à s'accoutumer à l'eau froide en cas d'évasion, un luxe dans les pénitenciers de l'époque. Alcatraz eut une population moyenne d'environ 260 à 275 détenus et ne dépassa jamais les 336 prisonniers. Milieu relativement clos, l'île était aussi le lieu de vie des gardiens et de leurs familles. Sur 29 ans, 1934 à 1963, 36 prisonniers, dont deux qui tentèrent de s'évader par deux fois, ont effectué 14 tentatives d'évasion différentes. Sur ces 36 évadés, 23 furent rattrapés, 6 furent tués par balles, 2 se sont noyés et 5 se sont perdus en mer et ne furent jamais retrouvés. Aucun détenu n'est jamais parvenu à s'évader totalement d'Alcatraz en rejoignant le continent, bien qu'au total 5 soient manquants ou présumés noyés. Mais en 1962, 3 prisonniers réussissent à s'évader. Les participants à cette évasion sont les frères Anglin, Clarence Anglin, né le 11 mai 1931, et John Anglin, né le 2 mai 1930. Frank Morris, né le 1er septembre 1926, et la quatrième personne, Allen West, est né vers 1929. Les frères Anglin, Clarence et John, Frank Morris et Allen West s'étaient déjà rencontrés dans un précédent pénitencier. L'idée d'une évasion commune germa rapidement. Frank Morris, habitué des évasions, est le cerveau du groupe et il est supposé être d'une intelligence supérieure, bien que West, lors de son témoignage, s'accorda l'essentiel du crédit du plan d'évasion. Malgré leur plan, les hommes ne se font pas spécialement remarquer durant leur incarcération sur l'île. Les préparatifs de l'évasion ont pris plusieurs mois et nécessitaient premièrement la fabrication de fausses têtes pour simuler leur présence dans leurs cellules individuelles après leur départ et ainsi tromper les gardiens en vue de retarder l'alerte, et deuxièmement d'un radeau de fortune pour maximiser les chances de traverser de l'île à la côte. Ces préparatifs ont commencé en décembre 1961, date où ils trouvent plusieurs vieilles lames de scie. Les conjurés ne pouvaient pas beaucoup communiquer entre eux et la cantine devint presque le seul moyen pour échanger des nouvelles et communiquer un plan d'évasion. Pendant près de 6 mois, les frères Anglin creusèrent le contour de la grille de ventilation près du sol au fond de leurs cellules B-150 et B-152. S'entraidant, l'un creuse pendant qu'un autre monte la garde pour prévenir des rondes régulières des gardiens. Le travail s'étalait généralement de 17h30 à 21h, avant l'extinction des lumières pour la nuit et en journée où de l'accordéon pouvait masquer une partie des bruits de l'opération. Morris et West, dans les cellules proches B-138 et B-140 font de même. Les morceaux de mur retirés étaient conservés dans leurs pantalons puis disséminés lors des promenades. Les outils disponibles pour creuser n'étaient pas légion mais avaient pu être récupérés aux ateliers de la prison, où Morris travaillait. Certains étaient fabriqués à la main et un moteur électrique d'aspirateur permit même de fabriquer une petite perceuse qui fut cependant peu efficace et trop bruyante. À chaque temps mort, ils camouflaient le trou du fond de leur cellule en replaçant la grille de ventilation et faisant illusion auprès des gardes dans les cellules mal éclairées. West, qui travaillait dans l'équipe chargée de la peinture de la prison, a pu visualiser les topographies des lieux et apercevoir la décrépitude des murs. Celle-ci était notamment renforcée par la corrosion de l'eau salée utilisée pour les toilettes. Le trou du fond des cellules fait, ils avaient accès à un couloir de service de moins d'un mètre de large non gardé longeant le bloc B et des conduites qui permettaient de rejoindre le toit après le retrait d'un ventilateur, tout cela sans être vu. Les fausses têtes sont faites de papier toilette mélangé avec du savon pour faire une sorte de papier mâché, de peinture et de cheveux récupérés chez le coiffeur de la prison où Clarence Anglin travaillait. Ils préparèrent aussi un radeau de fortune confectionné grâce à de la colle volée et une cinquantaine d'imperméables provenant d'autres détenus, donnés ou volés. Ceci fut facilité par le fait que John Anglin travaillait à la blanchisserie de la prison. Tout ce matériel était consciencieusement caché derrière le mur de la cellule.
Une fois le ventilateur du toit assez endommagé pour être retiré, Maurice indiqua la date de la tentative d'évasion, le 11 juin 1962. À 21h30, juste après l'extinction des lumières, les trois fugitifs placèrent leurs mannequins rudimentaires dans leur lit pour tromper les gardes. Allen West ne put sortir de sa cellule faute d'avoir assez creusé sa grille et malgré l'aide de Clarence Anglin depuis les conduites, West doit être laissé derrière eux. Après s'être introduit dans les conduits situés derrière les murs et avoir grimpé le long d'un tuyau de 9 mètres pour atteindre le toit, il traverse celui-ci sur une trentaine de mètres, évitant la lumière des projecteurs, et descend le long d'une conduite de 15 mètres. Après avoir franchi les clôtures de barbelés d'environ 4,50 mètres et atteint la rive nord de l'île, les trois hommes déployèrent leur radeau de fortune. L'heure officielle de l'évasion est 23 heures. Les frères Anglin et Frank Morris ne sont plus revus par la suite. Ce n'est que le matin que l'évasion fut constatée, lors de l'appel matinal quotidien de 7 heures. Les gardes, n'arrivant pas à réveiller certains prisonniers, arrivent à leur cellule et découvrent les fausses têtes avant de sonner l'alerte. Allen West se serait manifesté de lui-même pour revendiquer la paternité de l'évasion. En effet, West avait réussi tout de même à sortir vers 2 heures mais les autres fugitifs étant partis, il fut obligé de retourner dans sa cellule. Les autres prisonniers l'auraient entendu sangloter. À 8 heures, un signalement fut envoyé dans toute la région. Des chiens sont amenés de la prison d'État de Saint-Quentin pour essayer de suivre leurs traces, qui mènent à la mer. Dans les jours qui suivent, de nombreux prisonniers sont interrogés et West indique leur plan et leur direction vers Angel Island, une île située à quelques kilomètres du pénitencier, et de rejoindre ensuite le continent en traversant le détroit de Raccoon en direction de la péninsule de Tiburon à l'opposé de la ville de San Francisco par rapport à Alcatraz. Après le vol d'une voiture et de vêtements, ils se seraient séparés. Angel Island correspond au chemin pris par les hommes vers le nord d'Alcatraz qu'indiquent les chiens. Des recherches furent lancées dans la région. Les jours suivants, une pagaie de bois et des effets personnels dans un sac imperméable sont retrouvés près d'Angel Island, mais pas de traces des évadés sur l'île. D'après les indices retrouvés et l'absence de vol ou d'agression pouvant leur être attribués dans le comté de Marin les 12 jours suivant l'évasion, les autorités affirmèrent que les trois évadés s'étaient vraisemblablement noyés dans la baie de San Francisco et sont donc présumés morts, faute de pouvoir avoir la preuve de leur présence sur la terre ferme. De plus, aucun de leurs proches n'a de nouvelles d'eux et aucun ne semblait avoir les moyens d'assurer financièrement leur cavale. Sans argent, sans nourriture, sans vêtements secs, difficile de croire à leur survie. Le fait de ne pas retrouver de corps est courant dans la baie de San Francisco à cause des forts courants marins. Ceci en plus du fait que la marée était particulièrement haute la nuit du 11 juin. Néanmoins, le 17 juillet 1962, un corps fut trouvé dans la baie par un bateau mais tellement détérioré que l'identification fut impossible. Seule la présence du corps dans l'eau depuis 5 semaines put être démontrée, ce qui incita les enquêteurs à présumer qu'il pouvait s'agir d'un des évadés. Les archives du FBI comptent 1757 pages pour ce dossier. Une grande partie est cachée par de l'encre noire, en particulier pour effacer le nom du quatrième complice Allen West et protéger les témoins. L'enquête du FBI s'est poursuivie pendant 17 années, jusqu'au 31 décembre 1979 avant son classement et son transfert au United States Marshal Service en 1981 qui reprend la compétence jusqu'à ce que l'âge du plus âgé atteigne théoriquement 100 ans. En 2013, une mystérieuse lettre a été envoyée aux autorités. L'auteur selon la lettre était John Anglin et disait que l'évasion avait réussi, mais de justesse. Il disait aussi qu'il avait 83 ans, qu'il était malade, et que si les autorités lui promettaient de n'aller en prison qu'une année pour tout ce qu'il avait fait, il dirait où il se trouvait précisément, il insistait dans cette lettre sur le sérieux de celle-ci. À la suite de cela, l'enquête a été rouverte, des analyses ADN ont été faites mais elles n'ont pas été concluantes. La lettre a été rendue publique en janvier 2018.